c'est le top barcelonais, barcelonaise, c'est la nouvelle sauce, top barcelonaise, Ligue des champions, Ligue des champions. Salut à tous les champions, les championnes, vous ne rêvez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Et oui, on va débriefer ensemble le match entre le Barça et le Bétis. Les Bétis, ils étaient bêtes, mais on les a pris pour une bête. C'était des petites bêtes. Et ouais. Et on va débriefer ce match ensemble. 74e minute, un but du Bétis Séville. En première mi-temps, il va rien se passer. On va faire jeu égal. On était en première mi-temps, les deux équipes vont faire jeu égal. Jeu égal. On va faire jeu égal. Là, on n'a pas cru à la Ligue des Champions. On a cru à la Ligue des Champignons. On a cru à la Ligue des Champignons. On a cru à la Ligue qu'on allait regarder sur C8 encore une fois là. Nous, le Barça, on n'est pas fait pour passer sur C8, on est fait pour passer sur Canal Plus là. Et du coup, en première mi-temps, il va avoir 0-0. Et en seconde mi-temps, on va encaisser ce but des petites bêtes de Séville, des Sévillans. À la 76e, on va marquer. On va marquer un but, on va revenir à un partout. Et dans le dernier quart d'heure du temps additionnel, dans la dernière minute, on va marquer le but du 2-1, le but qui va nous amener dans les étoiles de la Ligue des Champions. Certes, on l'a pas encore, mais l'an prochain, on l'aura dans les étoiles de la Ligue des Champions, vers la qualification de la Ligue des Champions du Barça. C'est la qualification du top Barcelone. Merci. Merci, merci, merci Xavi, pour une fois que tu avais des bons avis. Merci Xavi. Il a fait des bons devis. Il a fait des bons devis. Tout le monde nous a critiqués. Le Barça en revient en haut de l'affiche. En haut de l'affiche. Là, c'est pas. C'est pas Serge de Gainsbourg, c'est Serge Barcelone. Serge Barcelone. Parce que l'an prochain, la Ligue des Champions, pendant qu'il y en a qui vont les tenants du titre, là, avec leur ballon d'or Benzema, eh ben nous, ça sera le triple ballon d'or. C'est Pedri le triple ballon d'or. C'est Pedri. Alors, c'est vrai qu'il a des paires d'espadrilles au pied, mais voilà les champions. Pour retenir. Et le Barça et la Ligue des Champions. Et le Barça et la Ligue des Champions. Et le Barça, la Ligue des Champions. Et le Barça, la Ligue des Champions. Ce qu'il faut retenir de Xavi, c'est le boulot qu'il a produit pendant un an depuis son arrivée. Voilà. Et c'est les champions, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire face à Séville et cette place en Ligue des Champions, cette place libératrice en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, en Ligue des Champions. On retrouve notre place là, pendant que l'année prochaine, il y en a qui vont pleurer, qui seront en Ligue des Champions. Il y en a qui vont pleurer, qui vont chialer, ils seront obligés de regarder Chucky à la télé. Chucky, Chucky. Ah certes, il y en a une qui va être ballon d'or entre-temps, mais voilà quoi. Donc les champions, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire du Barcelone sur le score de 2 buts à 1 et la défaite des petites bêtes de Sévillan et de Séville. Ils ont un nom de bouteille d'eau, Séville, mi, oh. Donc les champions, tu l'auras compris, c'était la victoire de Barcelone face aux joueurs de Boteido de Séville. Les champions,
Je vous invite tout de même à me lâcher des commentaires, à t'abonner. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à me lâcher des commentaires et à partager cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à activer la petite cloche. Ça fait autant plaisir, ça coûte rien. Et je t'invite à lâcher un petit commentaire. Je prendrai plaisir à échanger avec toi. J'espère que tu vas bien, que ta fraise se porte bien et que vous allez bien. On se revoit dans une prochaine vidéo.